Salut les amis, c'est Orpheus, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle review sur Sensei Saint Show épisode 3, son débriefing et son comparatif par rapport au manga. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à dire et pas qu'en positif. Alors, on commence tout de suite par l'introduction de cet épisode avec deux personnages qui nous sont présentés. En premier lieu, on va retrouver Rigel Dorion qui est devant l'arbre de la discorde. On le voit qui a un flashback où on revoit Kyoko. Donc ça nous amène à penser qu'il y a un lien entre les deux et c'est pas faux. Et qui plus est, il a un petit dialogue avec Athé qui le remballe vite fait bien fait après à ses occupations. C'est un passage qui existe dans le bouquin, le flashback lui n'existe pas, mais on a ce passage donc, avec le dialogue entre Athé et Rigel Dorion. Mais c'est un passage qui n'arrive qu'à la 72e page du tome 3, donc je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être placé plus tard, d'autant plus que ce qui suit son introduction, c'est l'introduction du personnage de Phonos, que l'on voit après, accompagné de Emoni et de Athé. Autour d'un petit verre de vin, qui discutent sur le retour prochain de leur mère Eris. Et rappelez-vous, justement, dans le débriefing de l'épisode 2, je vous parlais d'un passage qui existait dans le tome 2, dans lequel on parlait donc de la dissension qui s'opérait au sein du sanctuaire. Et bien je trouve qu'au lieu de nous montrer Rigel Dorion, il aurait été intéressant de nous faire qu'une introduction avec Phonos, Emoni et Athé, qui justement nous amenait ce point d'information et ce lien par rapport au reste de l'histoire de l'univers de Senseiya, donc de Kurumada, parce que je pense que dans le bouquin, voilà, c'est quelque chose qui est mis, qui est dit, qui est placé, qui amène cette cohérence et ce lien, qu'ici, dans l'animé, ça n'est pas du tout, et ça fait déjà deux épisodes où je vois pas mal de gens faire des commentaires sur la cohérence et les liens par rapport à l'œuvre de Kurumada, ben justement, c'était le moment de le faire, et ici, ils l'ont pas fait, voilà, bep, gros point rouge, c'est mauvais, donc pour moi, introduction complètement ratée de cet épisode 3, voilà. Parce que des choses importantes auraient pu être placées, surtout dans la présentation du personnage de Phonos, c'est pas fait, on nous montre un personnage qu'on ne voit plus après, donc ça sert à rien. Donc pour moi, nul, zéro, mauvais, on passe à la suite de l'épisode. Donc on retrouve donc le générique comme d'habitude, puis à la suite du générique, on retrouve donc le personnage de Shoko en compagnie de Mirai dans une zone rocheuse qui est en train de s'entraîner à frapper dans un rocher, ça fonctionne pas, et on voit Mirai qui lui explique un petit peu les tenants, les aboutissants du Big Bang, du cosmos et tout le tralala. Passage qui n'existe pas dans le bouquin, donc il n'y a aucune explication sur son entraînement à Shoko dans le manga, on n'en parle pas. Donc c'est pas mal d'en avoir fait quelque chose dans l'animé. En plus, moi je trouve que ça fait un gros clin d'œil à l'entraînement de Seiya avec Marine, hein, lorsqu'il essaie de casser des rochers. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, on nous met une petite information sur l'origine du nom des Pandora Box. Origine qui, me semble-t-il, n'apparaît dans aucun moment dans les mangas ou dans les animés. Donc pour moi, voilà, c'est pas mal. Une petite information sympathique, mais sans plus. Ouais. Ensuite, on retrouve dans la foulée donc Mi qui essaie de trouver Saori dans la demeure Grade. Saori qui se trouve en fait toute seule au bord d'un lac, en train de se recueillir devant la tombe de Toki. Et à ce moment-là, on voit apparaître Emoni au-dessus du lac avec tous ses petits papillons. Il faut savoir que c'est un passage qui n'existe pas en tant que tel dans le manga. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, je vous avais expliqué que dans le tome 2, lors de l'affrontement entre Toki et Jabu de la Licorne, Mi surprenait justement le personnage de Emoni assise sur la branche d'arbre et qui était justement en train de scruter le combat. Et de là s'en suivait l'affrontement entre Mi et Emoni. Ici, ils ont opté pour nous présenter de manière plus globale le personnage d'Emoni, mais dans un affrontement qu'il opposait à Athéna, donc chose qui n'existe pas dans le manga, qu'elle affronte Mi d'entrée de jeu. Et puis on voit Mi qui apparaît donc auprès d'Athéna pour lui porter secours. Pendant tout ce petit passage, on voit également donc que tout le monde ressent qu'il y a un cosmos maléfique qui est apparu. Shoko veut s'en aller rejoindre Athéna et Mi pour les aider. Maruya ne veut pas laisser aller tout de suite. Elle utilise ses pouvoirs pour un petit peu essayer de déployer son cosmos, hein, à Shoko, vu que c'est pas très développé. Et ensuite, ben, elle va quand même retourner donc auprès de Athéna et de Mi.
grâce à un envoi supersonique, un envol fait par les pouvoirs de Maruya. Faut savoir que dans le manga, le retour de Shoko se passe de la même manière, elle est envoyée par Maruya, comme ça, au travers de son pouvoir. Mais avant de revenir au retour de Shoko, on va revenir sur l'affrontement entre Emoni, Mi et Athéna. Alors, affrontement qui pour moi est bâclé, beaucoup trop rapide, et qui plus est, au niveau visuel, est très mauvais quand on regarde l'attaque avec les papillons donc, de Emoni. Très mauvais, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un calque qui a été posé sur une animation. C'est pas beau du tout, c'est moche. Il y a une grosse différence visuelle entre l'animé et ses papillons. Donc c'est pas beau du tout. Et surtout quand on voit par la suite les attaques de Mi avec ses bulles d'eau, etc. Ben, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus fin, beaucoup mieux réalisé. Et ça me laisse à penser qu'il serait pas impossible de voir... Enfin, d'avoir en tout cas deux équipes qui travaillent sur les effets spéciaux des personnages, et d'où peut-être ce problème visuel. Voilà. En plus de ça, l'armure démonique, quand on la voit, me fait forcément penser à une armure de surplis. Hein. Elle est noire, avec du violet dedans, alors que dans le manga, on nous explique bien qu'elle est rouge, et ce rouge a une importance, parce que plus tard, un personnage va revêtir une armure rouge aussi. Donc, voilà, là aussi, liberté prise au niveau de la couleur de l'armure démonie, qui me fait plus penser à une armure de surplis. Donc combat vite envoyé, vite fait bien fait, et dans la foulée du combat avec Mi et Emoni, on voit apparaître qui ? Phonos. Alors, avant de parler du combat avec Phonos, on remarque tout de suite que le combat avec Emoni et avec Phonos se déroule au même endroit, évidemment, hein, au bord du lac, sous un ciel bleu d'été, voilà. Ça n'a ni queue ni tête. D'autant plus que dans le manga, à la suite du combat avec Emoni, arrive un autre personnage. Personnage qui n'est pas Phonos. Parce que Phonos vient après pour une bonne raison. J'ai d'abord parlé du combat de Phonos ici, et puis je reviendrai sur justement ce personnage. Donc Phonos ici, on le voit donc avec. En train de saucissonner, donc Mi sur un rondin de bois, d'avoir mis Athéna comme une mouche dans une genre de toile d'araignée là, et faut savoir que le combat entre Phonos, Athéna et Mi n'existe pas. Phonos ne vient jamais sur Terre, ne rencontre ni Athéna, ni n'affronte ni Athéna, ni Mi, ni quoi que ce soit. Donc là aussi, il y a une énorme liberté qui a été prise par l'équipe de production. Et Shoko, lorsqu'elle revient, parce que dans l'anime, elle revient dans ce passage-là, donc dans l'affrontement contre Phonos, Shoko ne revient pas dans l'affrontement contre Phonos dans le manga, non. Elle revient dans l'affrontement contre Eris. Alors, c'est là que je vais faire directement la parenthèse avec le bouquin. Donc je vous l'ai dit, après le combat avec Emoni dans le bouquin, en fait, Eris apparaît au travers du corps de Kyoko devant Athéna et Mi. Et c'est à ce moment-là que Shoko revient auprès d'elle, portant la Pandora Box sur son dos, un peu comme on voit dans l'anime. Et c'est super important, pourquoi ? Parce que dans ce passage-là, on montre justement le pourquoi du comment Shoko a su revêtir l'armure du petit cheval. Dans l'anime, quand on voit comment elle revêt l'armure du petit cheval, on ne sait pas trop comment elle la revêt. Elle est là, à un moment donné, pouf, la Pandora Box s'ouvre, l'armure apparaît, pièce par pièce, en vitesse, dans des bulles de lumière, hein, sur son corps. Et puis on voit apparaître cette armure avec une transition de pétales de rose complètement mauvaise et pourrie. On la voit avec son armure. Faut savoir que dans le manga, en fait, lors de la réapparition de Kyoko, possédée donc par l'esprit d'Eris, en fait, la Pandora Box s'ouvre et l'armure se met en résonance avec le cosmos de Kyoko, qui est toujours présent dans son corps, et qui fait en sorte que son cosmos recouvre le corps de Shoko et puisse permettre à Shoko de revêtir l'armure du petit cheval. Donc, dans le manga, on nous explique comment, avec un entraînement très très succinct et pratiquement inexistant, comment Shoko arrive à revêtir l'armure. Et c'est super important cette explication, parce que j'ai lu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux où les gens disaient « Ouais, on va voir, elle va revêtir l'armure, mais d'une vitesse vite fait bien fait, on ne saura même pas pourquoi, à faire un entraînement rapide, elle va voir son armure et ça va pas être cohérent du tout. Ben, » dans le bouquin, on explique pourquoi elle revêtit comment elle arrive à revêtir cette armure.
C'est justement le cosmos de Kyoko qui est présent encore dans son corps, qui aide justement à la mise en place de l'armure au travers de la résonance du cosmos et de l'armure sur le corps de Shoko. Dans l'animé, quand on le voit, en fait, elle revient devant Phonos, hein, donc déjà, c'est pas cohérent avec le bouquin, et l'armure apparaît comme ça, pouf, 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 elle se met sur elle, et voilà, ça n'a ni queue ni tête. En plus de ça, dans la suite de l'épisode, on voit quoi? On voit que Shoko s'allie donc à Athéna pour essayer de vaincre, en tout cas repousser Phonos. Et quand elle arrive à le repousser, parce qu'évidemment au début on le voit, hein, elle envoie un Eculus Ryuken qui ne sert à rien, qui sert devant le nez de Phonos, donc on voit qu'elle est mauvaise, qu'elle n'a aucun pouvoir. Cette alliance avec elle et Athéna fait que donc Phonos est repoussé, et au moment où il décide d'ouvrir ce portail avec ses branches qui s'en vont, on voit dans l'animé que Shoko saute et s'agrippe et traverse ce portail pour se rendre dans le temple d'Eris. Dans le manga, c'est pas du tout comme ça. Dans le manga, lors de l'affrontement avec Eris, en fait, Shoko et Athéna s'allient, repoussent Eris qui voit l'intervention de Athée qui vient la rechercher parce que du coup comme le cosmos de Kyoko est entré en affrontement avec l'esprit d'Eris, bah du coup le Eris n'est pas capable encore d'affronter toute la ribambelle et donc à bout de force, ben c'est Athée qui vient la rechercher au travers du portail avec les branches et qui s'en va. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Shoko qui court, qui saute et qui s'agrippe aux branches et qui traverse le portail pour se rendre au temple d'Iris. Et seulement à ce moment-là, on va revoir Shoko en présence de Phonos dans un lieu, une pièce où se trouve Phonos. D'accord? Ici, c'est pas du tout comme ça que ça a été présenté. C'est on nous a balancé Phonos dans un affrontement qui est complètement inventé, avec une mise en place de l'armure sur le corps de Choco qui est complètement bâclée, qui n'est même pas expliquée, et qui après voit Phonos s'en aller et retourner au temple d'Eris. Et là seulement, ben, on voit Choco qui court et qui saute pour s'y rendre, pour aller sauver sa sœur. Donc ils ont fait un melting pot, hein, donc un beau mélange avec certains détails, hein, donc la lune. L'union, l'alliance entre Athéna et Shoko, bah, qui est existante dans le bouquin, ils l'ont placée, mais contre Phonos, alors que ça n'est pas à ce moment-là que c'est fait contre Eris. Phonos ne vient jamais sur Terre, donc voilà, pas mal d'incohérences, pas mal de choses qui sont prises de manière très aléatoire et que je n'apprécie pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, à la suite de cet affrontement, on revoit donc Mi et Saori qui discutent dans la demeure Grad. Où on voit Mi qui explique donc à Saori qu'elle doit absolument rester sur Terre ouais, pour gérer le tournoi galactique hein, et mettre son plan en œuvre. Et donc elle va se rendre donc à sa place donc au temple d'Iris pour aller sauver Shoko. Jusque-là, c'est pareil, dans le manga, c'est dit de la même manière. Donc ça, c'est pas, y a pas d'incohérence là-dedans, ça tient la route au niveau du scénario. Alors, la légende de la pomme d'or, qui est expliquée par Maruya, elle existe aussi dans le bouquin, donc ça, jusque-là, pas de souci non plus. Et ensuite, on retrouve en finalité donc un plan avec, enfin une séquence plutôt, avec le grand Poparès, donc Saga des Gémeaux, en présence donc de chevaliers d'argent, hein. Donc on retrouve Trémie de la Flèche, Sirius du Grand Chien et Astérion des Chiens de Chasse. Et on y voit aussi donc l'arrivée dans la foulée de Milo du Scorpion qui demande à aller se rendre donc au temple d'Eris pour régler le problème lui-même, vu que c'est un peu par sa faute que le problème est existant à ce moment-là. Ça, jusque-là, dans le manga, c'est pareil aussi, ça ne change pas du tout, donc c'est cohérent dans l'explication et dans la trame. Voilà. Alors, si je devais faire une conclusion de tout ça, bah, pour moi, c'est un épisode qui est très très moyen dans sa conception. Donc, comme l'a dit The CNS dans son débriefing de l'épisode 3, c'est une animation qui est pas toujours au top. Hein, on voit le combat Kemoni, bah, il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment pas beaux du tout. Ça se passe au même endroit, quasiment sur 15 minutes, hein, au bord d'un lac sous un ciel bleu d'été. Quand on voit donc la liberté prise avec le personnage de Phonos, ben on se dit quand même que ben, c'est bien de prendre quelques libertés, mais il faut que ce soit quand même cohérent. Et là, ça va vraiment à l'encontre du bouquin, parce que tout est mélangé. Alors, pour
pour ma part que l'on prenne des libertés dans la mise en place du storyboard avec la présence ou la présentation d'un tel ou d'un tel à un moment donné, c'est pas un problème. Mais quand on commence à inventer une scène qui n'existe pas, en mélangeant d'autres passages qui existent, pour moi ça pose problème. Je trouve pas ça génial, surtout quand on a eu le bouquin. Là c'est une grosse incohérence par rapport au livre, et en plus de ça il y a encore des infos qui sont hyper importantes qui ne sont pas données et qui auraient pu être données parce que l'occasion était présente. Hein, donc je rappelle, hein, c'est quand on voit Phonios avec Emoni et Athée en train de discuter au tout début de l'intro, avant le générique, ben justement à ce moment-là on aurait pu expliquer donc la dissension au sein du sanctuaire et ça n'a pas été fait. Donc gros problème. Pareil, hein, quand je vois le dans cet épisode, donc je l'ai dit, hein, quand on voit l'histoire de comment Choco arrive à revêtir l'armure du petit cheval, bah c'est très très vague, très succinct, c'est pas expliqué, et je trouve que c'est dommage parce que autant chaque chevalier de bronze dans le manga ou dans l'anime avait eu son moment où on le voyait donc gagner son armure et revêtir son armure. Hein, que ce soit au travers d'un combat comme Seiya avec Shaina ou avec par exemple Shiryu qui faisait remonter la cascade, etc. ou Yoga qui faisait glacer. Enfin, ils ont tous eu leur passage où il y avait justement cette union avec l'armure qu'ils avaient réussi à gagner. Et là, du coup, ça n'existe pas. Alors, autant les Sentia, on les découvre déjà présentes dans le manga et on les découvre déjà présentes dans l'anime, donc on sait qu'elles ont une armure, que là Choco c'est quand même un nouveau personnage au sein de la communauté Sentia et qu'il aurait été intéressant quand même d'avoir une explication ou en tout cas un passage qui montre cette union entre les deux. Dans le bouquin, ce passage est présent par une explication avec donc, le cosmos de Kyoko quand Eris revient sur Terre à la fin du tome 2. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Oui, quand j'ai carrément sur Terre à la fin du tome 2, cette union avec l'armure et le cosmos de Kyoko, par contre, lui, se déroule au début du tome 3, hein, d'accord. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui était pour moi hyper important et qui n'a pas été montré. Ensuite, l'épisode 3, ben, quand je regarde sa globalité, ben, il reprend à peu près un tiers du tome, hein. Donc j'ai feuilleté un petit peu tout le tome 3 et quand je vois l'intégralité de l'épisode, ben, ça reprend les 62 pages, 62 premières pages en tout cas du tome 3 qui en compte 175, donc vous voyez c'est un tiers. Et donc du coup, ça me fait dire que sur les 10 épisodes qui sont initialement prévus, je pense qu'il va être très difficile de retranscrire les 10 premiers tomes. Alors autant que le premier et le deuxième épisode reprenaient à peu près 80-85% de chaque tome, ici il en reprend un peu plus de 30%, donc du coup c'est difficile de montrer le reste. Pourquoi? Parce que la suite du tome 3 ben, montre quand même l'affrontement de Phonios contre un autre chevalier, et on y retrouve le personnage de Rigel qui a aussi un affrontement qui lui est dédié, donc ben, je me dis ça va quand même pas être facile, et je pense que ça c'est quelque chose qui va être retranscrit dans l'épisode 4. Et donc au final, je ne sais pas comment ils vont faire leur truc, mais je pense que les 10 premiers épisodes vont pas reprendre les 10 premiers tomes. Je pense qu'au bout de 5 ou 6 tomes, on aura fait le tour. On sera arrivé au bout des 10 épisodes. Et du coup, ça pose problème parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui doivent être dites pour la bonne compréhension de l'anime par rapport à l'anime original, ou par rapport au manga original, ou même par rapport au manga de Sensei à Sentia Show, et qui ici ne sont pas présents, et donc du coup ça va pas aider les gens qui n'accrochent pas des masses ou qui ne comprennent pas des masses, parce que pas mal de gens n'ont pas lu les livres, hein, et je leur jette pas la pierre, tout le monde ne peut pas tout posséder, hein, ça coûte un petit sou d'avoir tous les livres, mais du coup voilà, les incohérences sont présentes et il y a quand même des occasions pour justement briser ces incohérences, et elles sont pas prises en compte, donc sont pas utilisés, c'est vraiment préjudiciable je trouve à la nuit. Donc voilà, hein, donc en résumé, ben pour moi c'est un épisode en demi-teinte, tant au niveau du storyboard, hein, avec le scénario qui a pas mal de liberté prise et parfois d'incohérence, c'est même beaucoup je trouve maintenant dans cet épisode là, et que je pense que voilà, cette prise de liberté va porter préjudice je pense à l'animé, ou en tout cas ne va pas en tout cas permettre à ceux qui n'ont pas d'accroche en tout cas ou qui ont un avis négatif dessus de se faire un avis un peu plus positif. Voilà.
C'est pour ça que je vous invite toutes et tous à lire les livres. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter les livres, parce que ça coûte, je l'ai dit, un petit sou d'acheter les livres, hein, à 7,60€ je pense, le livre, bah, ça fait quand même un beau petit budget quand on a déjà une dizaine qui sortent. Je trouve que voilà, si les gens ont l'occasion d'aller lire les livres dans des magasins comme Cultura, Fnac, Club, Furet du Nord, que sais-je, bah, prenez cette occasion pendant la période de fête ou pendant un week-end d'aller passer l'après-midi là-bas, prendre des bouquins, les lire un par un. Et vous allez voir que c'est une certaine Tacho, un scénario qui tient la route, qui est beau visuellement, qui a pratiquement aucune incohérence avec l'œuvre de Kurumada. Donc voilà, je vous le dis parce que voilà, de plus en plus de gens font des commentaires sans avoir lu les livres, hein, parce que voilà, ils n'ont peut-être pas l'occasion de s'acheter des livres ou des lire. Mais du coup, l'animé ici ne rend pas du tout hommage au bouquin de Sensei Sentia Show, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont zappées, et c'est très 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 mauvais pour son matricule. Donc voilà, là-dessus les amis, je pense que ce sera la dernière review de cette année 2018. Je vous remercie déjà toutes et tous de m'avoir suivi cette année. Mon nombre d'abonnés augmente petit à petit, j'en suis très content. Merci à vous, merci pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos questions, pour lesquelles je prends un grand plaisir à répondre. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook voir ce qui s'y trouve, hein, en dehors des reviews que je publie, hein, j'essaie de publier quand même de manière assez régulière des news dessus. Je vous invite à aller voir les reviews de mes autres confrères youtubeurs, hein, The CNS, Angelo Rain, Fenrir et Dead Mask et d'autres, parce qu'ils font des reviews qui sont très intéressantes à voir aussi, même si ça ne touche pas le domaine de Senseiya. J'espère qu'en 2019, je vais pouvoir vous présenter enfin la review de la figurine qui a gagné le concours. Hein, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas encore, sur ma page Facebook, j'organise un vote entre 5 figurines pour élire la figurine qui sera montrée en review sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous y abonner à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et donc j'espère donc pouvoir vous présenter cette figurine parce que je vois quand même que les épisodes de Sensei Sentia Show s'enchaînent et donc je préfère ne pas laisser trop de temps non plus pour l'enchaînement de ces épisodes. Donc j'espère pouvoir vous présenter en tout cas le plus vite possible tout cela. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon réveillon de nouvel an. Je vous dis rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut les amis, enflammez votre cosmos, partagez un max. Le partage et la communion, c'est ce qui fait la force de notre passion. Salut les amis, à 2019. Ciao ciao. Nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin. Dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.